mais vous le savez, quand vous faites un certain nombre de dons, par exemple 50 €, ça va être 3 kits entiers de suture, donc qui vont permettre aux chirurgiens de pouvoir opérer. Donc voilà, vous pouvez savoir un petit peu à quoi tout ça sert, et on vous invite évidemment, si vous voulez suivre tout ça, eh bien à vous renseigner sur le site de MSF directement. Il y a un clip qui vient de passer qui était génial, ouais. Et également un live qu'on a fait le premier jour avec plein d'explications où c'était un peu dur parfois, mais réel, et pour le coup c'est la réalité de MSF. Nous, on est un peu en train de faire un truc très cool et très chill, mais la vérité sur le terrain, eh bien, c'est que c'est très compliqué et que ces gens qui ont beaucoup de courage ont besoin de l'aide des donateurs et donc de vous, de nous. Ouais, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la vidéo de présentation qui justifiait surtout l'indépendance d'MSF et pourquoi l'indépendance d'MSF est ultra importante, notamment dans les conflits armés, dans certaines organisations étatiques un peu plus compliquées, etc. Donc ça, c'était super important. Mesdames et messieurs, on va lancer cette journée numéro 2 puisque les concurrents-concurrentes nous attendent, en fait nous attendent, attendent le signal de départ. Donc j'ai envie de dire go. J'ai envie de dire qu'on dit go. Ouais, on se fait 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, on le fait. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, mesdames et messieurs. C'est parti pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans MSF West, jour 2. J'espère que vous allez bien. Je suis dans une vigne actuellement. Apparemment, on est dans un lieu classé monument historique et on n'aura pas le droit de courir. Non, effectivement, il faut faire attention au sac à dos pour pas renverser des trucs fragiles. Exactement. Et puis, on va avoir des étudiants qui vont nous aider et on va devoir leur poser des questions. Ouais. Sachant qu'on peut leur poser 3 questions auxquelles ils peuvent répondre par oui ou par non. Ouais. Et on a le droit, grâce aux MSF Coins, donc grâce à vos dons qui sont transformés en monnaie dans la boutique, c'est ça. On a le droit de demander plus de questions si besoin. Et on a des bonus en fonction des dons. Voilà. Et du coup, plus vous faites de dons et plus on a de bonus, notamment d'aides de chat. Sachant qu'on a notre classe spéciale. Voilà. On a chacun une classe spéciale, chacun a un avantage particulier. Et nous, l'avantage de notre classe, c'est qu'on a accès au chat toutes les 2 heures. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, voilà. Donc, et comme vous étiez très compétents hier, et ben on mise encore sur vous aujourd'hui, voilà. Voilà. Je peux le dire. Voilà. Et l'année dernière. J'aime trop ce plan dans la vigne là, franchement, il est super. J'en peux plus. hier, on a perdu du terrain sur une mission hyper spécifique. On n'arrivait pas à se repérer. On était bien hier, était mais bien. C'est l'orientation qui nous a faux défauts, on va pas se mentir. Du coup, là, il faut qu'on. Ainsi qu'un problème de logistique de van, on tient à dire quand même. Mais bon, non, bref. Mais il faut qu'on demande. On en parlera non, après. Mais vrai, on avait pris du retard déjà. Il faut qu'on en parlera à la maison. Un van par équipe. Oh, let's go, c'est bon. Là, on est riche. C'est bon. Franchement, on est riche. Non, mais il faut qu'on demande, du coup, je pense qu'il faut qu'on, voilà, il faut qu'on assume. Ah, et qu'on demande de l'aide aux habitants beaucoup plus. Voilà. Oui, je pense qu'il faut qu'on aggro les gens. Ouais. Faut qu'on aggro les gens en mode. Ça aurait été plus pour les tags. Dites-nous, c'est. Bon, bah voilà, on est prêtes. Hein. Enfin, je pense qu'on a fait le plan d'intro le plus cool de tous. Hein. Franchement, ouais, je regarde sur des cailloux, là, ils me font de la peine. Ouais. Clairement.